Yo tout le monde, c'est Flizz. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo de glitch. Comment ouvrir le commissariat sur GTA Online en 1.50. Donc, vous aurez accès à tout le commissariat sauf la personne qui va lancer le glitch. Donc, du coup, pour ça, vous devrez avoir la salle d'arcade ainsi que le braquage en mode rusé et avoir la mission pour voler les tenues du Noz. Donc, mon collègue va le faire. Donc, vous voyez bien que c'est, si je me trompe pas, c'est cette mission-là. En rusé, équipement du Noz. Donc du coup voilà, il a lancé la mission. Moi je suis pas dans son club de motards parce que sinon je n'ai pas accès au commissariat. Lui nous pourra rentrer dans le commissariat, mais faites attention, s'il rentre dans le commissariat, il y aura les flics en infini dans le commissariat en illimité. Donc je vous déconseille que le joueur rentre dans le commissariat. Donc le glitch consiste à que le commissariat soit ouvert pendant 30 minutes. Après, celui qui a lancé glitch pourra le relancer autant de fois qu'il veut. Donc du coup, il pourra le lancer en infini, quoi. Donc voilà, là on va au commissariat. Il n'y a que le commissaire de Mission Row qui est ouvert. Pour le RP, c'est méga bien, donc Fleu évite de rentrer pour le moment. Pour le RP, c'est ultra bien car on a accès à tout, 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 tout. L'armurerie de temps en temps, là ça dépend comment la mission est faite. Genre, normalement, s'il y a un sac, si on doit voler un sac dans l'armurerie, bah, l'armurerie est ouverte. Mais là, il n'y a pas de sac. Donc, du coup, il y a des flics qui font des pompes, des tractions, des abdos. Enfin, des tractions, je pense pas qu'ils en font. Vous voyez, hop, on a accès à tout, vraiment tout. On a accès, le toit est ouvert aussi. On a accès à la salle de briefing qu'on utilise dans notre RP. Et un peu le meilleur, quoi, les cellules. Les cellules, on a accès aux cellules, ce qui est très bien pour le RP. Par contre, le seul problème, bah, c'est que c'est 30 minutes par 30 minutes et que cette porte-là n'est pas ouverte pour accéder par dehors. Donc, je vais vous montrer qu'on a accès au toit. Donc si vous faites du RP et que vous avez pilote d'hélicoptère dans la police, et bah c'est nickel. Vous avez ce qu'il faut. Donc, faites attention, voilà, on peut pousser les flics, mais on a les flics. Mais ces flics là ne nous agressent pas, c'est vraiment les flics de l'extérieur qui viennent nous agresser. On va appeler Lester tout de suite. I take it this isn't a social call. So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, ça ferait extrêmement plaisir. Go atteindre les 1000 abonnés, et voilà, et peace tout le monde.